I mean, what do you do when you have aces and you're facing an all-in? I know what you do. You call a timeout. Ouais. L'Italie. L'Italie avec 6 et 2 qui a relancé tranquillement à l'italienne façon Luca Pagano. Ouais, 3 mètres par le joueur amateur hein, allemand Cornils qui a juste mini raise avec ses deux belles flèches au bouton. Ouais, il veut garder son client, il a envie de faire payer. Ouais, derrière je te vois You te frotter les mains. Pourquoi? Parce que Darius Suarto, le November 9, vient d'attraper deux rois et shove bien évidemment. Bon, autant vous dire que Pagano là, il va s'en aller en courant. Et puis ça va être un call tranquille de la part des Allemands. Ouais, Luca, là, bon, ben là, faut garder une petite poker face, prendre un petit peu de temps, puis passer, voilà. C'est bon, c'est ce qu'il va faire, Luca. Allez, Cornils qui... Alors, je sais pas s'il sait que c'est à lui de jouer, Cornils. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? T'es en train de kiffer. Ouais, ouais, t'as bien deux flèches, Cornils, tu peux y aller, on est pas loin du snowroll, quand même, hein. You call a timeout. Waouh, y'a Nightman qui lui dit, bah vas-y, si tu sais pas, demande un temps mort. Le capitaine, alors cette particularité lors de la Coupe du Monde de Poker, où on peut, lorsqu'on a une décision un peu compliquée, aller voir son clan, mais là c'est plus, j'ai l'impression que c'est qui veut gagner des millions avec le mec qui appelle son père pour lui dire qu'il est millionnaire. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais, qu'est-ce que t'as, mais j'ai deux flèches. Ok, pourquoi y'a temps mort? Bah, c'est juste histoire qu'on se marre, ils sont nazes de rire les Allemands. Oh là là, et le pauvre Suarto là qui pense qu'il est ultra beau. Enfin, normalement, on est quasiment tout le temps beau avec deux rois, sauf face à deux as. Mais là, la manière de jouer de Cornils, le 3 bet, c'est peut-être deux valets, deux dames. Ah, et on sait pas quoi faire. Deux 10. You, c'est peut-être un des plus grands slow-rolls de l'histoire hein, auquel on est en train d'assister. Et bien sûr, là, c'est cool, bien joué. Et là, il va attention à l'action. Oh, c'est ouais, le plus gros slow-roll de l'histoire. Oh là là, les Canadiens qui n'en reviennent pas, ils sont un petit peu dégoûtés. Alors, généralement, You, on dit que le slow-roller souvent se fait punir. On va voir si c'est le cas. Est-ce que les amis, vous avez envie de voir un roi là pour les Canadiens? Moi, les trois fois où je me suis fait slow-roll, il s'est pas fait punir. Hein. Ouais, c'est voilà, ouais, c'est pour rire, c'est ce qu'il est en train de dire. Heitman, mais je crois que le Canadien n'a pas très très bien pris. Ouais, il y a quand même 125 000 dollars à aller chercher, hein, la gagne, donc je veux bien rigoler un peu. Ouais, pour l'instant, pas droit, malheureusement, Suarto. Ouais, on tire la tête des mauvais jours. Hein. C'est le smiley avec la bouche à l'envers, là, du côté des Canadiens. Ouais, le 6. Ouais, un roi et seulement un roi, bien sûr, les amis, vous l'avez compris. Je trouve qu'il le tient bien, sa poker face de slow roll, Cornils. Il est bien dans ses baskets. Oh là là, le pauvre Canadien au milieu, je sais pas si vous le voyez, il est déconfit, littéralement. Alors, heureusement pour eux, ils couvrent les Allemands, ils sont encore vivants, et voilà, ils sont une petite blague à la Teutonne, là, complètement. Allez, je crois que c'est une bataille de blindes. 6 et 3 offsuit pour Lütke. Tapis de Lütke. Why not? Il y a combien de blindes pour faire ça là? Je comprends pas. 6 et 3. Alors, on va regarder chez Deschanel. Ouais, ça va être snap call. C'est Deschanel, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est cool, la revanche, hein, juste après le slow-roll. Ah oui, allez, il mériterait, les Canadiens, de le prendre, celui-là. Ouais, je suis Canada, là, sur ce coup-là, c'est vrai. As-Valet, suité, du côté des chaînes. 6-3, quand même, il est confiant, Lütke. Ouais, c'est une vingtaine de blindes, j'ai l'impression, on voyait quand même par l'allemand. Alors, ok, bataille de blindes, tu le dis, You, mais quand même... Souvent on va shove une grosse partie de sa range. Mais bon, si c'est 3, normalement ce n'est pas dedans. Ah, il a envie d'avoir des carreaux, le Canadien, c'est ce qu'il a demandé. Il va avoir 3 cœurs, ce qui est plutôt pas mal, avec le valet en plus. Voilà, on tire fin là pour Lütke et pour toute l'Allemagne. Il a compris, ouais, si c'est 3, j'ai peut-être pu faire autre chose. Alors, il va falloir qu'il touche un deux fois. Il va falloir toucher pourquoi pas 2 cœurs pour split, pourquoi pas 2-6, 2-3, 6 et 3.
pour s'en sortir, sinon on va perdre les Allemands. Ah, le dieu du slow roll trouvait que c'est mérité, peut-être de perdre les Allemands sur ce coup-là. Ouais, là, c'est fini. Ciao, bye bye, la Germany. Rendez-vous l'année prochaine. Auf Wiedersehen. Ouais, on sert quand même les paluches et on prend un joli petit billet quand même pour cette sixième place. Alors, et leur fille qui a limpé. Intéressant. Ouais, début de parole, il espère que ça soit relancé. Je suis pas trop fan, nous, hein, quand même, de slip avec un gros jeu. Il peut laisser rentrer pas mal de monde dans la main. Andy Black, justement. Ouais. L'Irlandais, 7 et 4 suité. Ben voilà, un slip, pourquoi pas. On overlimp au bouton. Son t-shirt qui est de plus en plus col ouvert là, au fur et à mesure de la partie. Andy Black, Muldoon, qui a décidé de venir aussi. Ouais, l'Irlandais du Nord. Et puis je pense que la grosse blinde là va check back quasiment tout son jeu, sauf s'il a un gros jeu pour épurer. Donc en basto, voilà, avec 10 et 4 suité, c'est parfait. Attention, un 10. Aïe. Et ben voilà. La punition, Basto qui vient de prendre deux paires, la top et la top tout même. Ah, ne faites pas ça chez vous les amis, hein. C'est dangereux, l'impé de roi comme ça. Bien sûr qu'on a envie d'essayer de prendre un maximum de value, on a envie de faire rentrer un copain dans l'histoire pour lui prendre tous ses jetons. Mais là le problème c'est que t'en fais rentrer quatre et bien qu'il y a des chances que des gros jeux ou des gros tirages se mettent en place. La preuve, Basto qui va trouver deux paires. Il y avait Muldoon qui a la ventrale mais qui va passer. Allez, le big blind spécial, Basto qui réfléchit. Allez, on y va. Basto, on a trouvé le meilleur jeu, un jeu incroyable, big blind special. Ouais, petit slow roll quand même de la part de Basto, là, tranquillement, alors que, de toute façon, il a payé tous les jours. S'il est face à un overpair, justement, le bonheur. Attention, un doublet du 2 qui pourrait contrefaire ses deux paires. Le valet de trèfle, personne n'a de trèfle. Un doublet du valet. Un roi pour sortir et leur fuir de cette panade. Eh bien, non. C'est terminé. Ouais, il va y repenser longtemps, hein, son limp des deux rois. Ouais, on ne l'y prendra plus. Et leur fuir. C'est où la sortie? C'est pas là. Allez, attention, deux valets, non pardon, valet 9. Oh, wow. Suité chez Tater, l'Allemande. Ouais, Katia, avec sa chemise. Alors, je croyais que c'était une chemise en cuir au départ, c'est une chemise en soie. Ouais, alors attention, nous, parce qu'on demande un compte, j'ai l'impression quand même. Qu'est-ce qu'on a chez ce joueur? Ouais, un jeu médian, peut-être un petit as, un as battu, peut-être une petite paire. Un petit Broadway, aussi toujours difficile de coller avec Dame Valet. Roi-Dame aussi de temps en temps sur des mains jamais évidentes dans des ranges de call. Et puis ouais. il couvre largement. Ouais, ça a l'air d'être vraiment dur. En même temps, il a l'air de kiffer son moment. Avec sa son joli jumper des World Series. A priori, il a été au Rio. À moins qu'il ait commandé sur le site, hein. C'est pas interdit aussi. Pour faire un jeu, c'est collé. Oh, c'est moche. Oh, que c'est vilain! Ouais, oh my god, ouais. Oh my god, elle le dit, elle est pas contente du tout! Katia Tater là-dessus! Déconseillé dans toutes les parties où vous avez envie que ça se termine bien avec vos amis. Hein. Ouais, parce que là, il y a certains qui parlaient avec autre chose qu'avec la bouche. Oh, c'est dur là-dessus. As-Roi, on a l'impression qu'il prend la décision de sa vie. Allez, carreau-carreau! Valet 9! Eh bien non, c'est un 3 de trèfle et voilà, on serre la main, bravo, t'as bien joué. Allez, faire peine lui serrer la main, hein. Vraiment, certains ne l'auraient pas fait. Elle garde son flegme quand même si on sent qu'à l'intérieur ça bouillonne beaucoup. À ne pas faire ça chez vous les amis, hein. Ouais, je le sentais bien. Deux valets. Stevich. Ouais, ça va être normalement... Ouais, c'est relancé, qu'est-ce qu'il paye, ouais. C'est limpé, ouais. Ah, étonnant, hein, d'habitude, lui qui est si agressif de simplement payer pour faire... C'est bataille de blinde aussi, ouais. Il a peut-être aussi envie d'attraper bouche. Ouais, mais il va le prendre parce que là, avec top pair, je vois pas comment l'anglais peut s'en sortir.
got to see a free flop in the big blind. Attention, hein, parce que dans cette première finale de l'European Poker Tour de l'histoire, celui qui réussira à prendre un très gros pot sur ce coup-là prendra une option très claire sur la victoire. Bah, pour mettre son nom tout en haut de l'affiche, all-in, bien sûr, Chibouche. Faut pas oublier aussi qu'il a la ventrale, hein. Un 5 lui donne la quinte. Il a collé, hein? Non? Il a pas collé? Il a pas collé, il se prend la tête. Ah, il a fait ça pour l'attraper, il l'a attrapé, maintenant c'est call. Alexander. Ouais, c'est étonnant, là. Alors il a peut-être peur d'un très très gros jeu qui aurait lui aussi voulu faire la même chose. Est-ce que Bush aurait été capable? Ben, il a peur de quoi? De dame, de roi, de as, ou alors 2-7, 2-6, 2-4. Ouais, c'est collé. 5 et 8, 5 et 3 peut-être c'est collé. Ouais, ouais, je pense que c'est quand même un léger slow-roll de la part du Suédois, là. Ouais, je comprends pas trop, là, d'ailleurs, Bush, ouais. Tente de mettre ses sourcils dans un accent circonflexe inversé. Allez, un 7, un 3, un 5. Eh bien non, Alexander Stevich qui s'empare de ce pot énorme et qui élimine Bush. Ouais. Petit slow-roll des familles quand même. We'll be right back.